pas grand chose que vous aurez plaisir à voir tout au long de l'après-midi. Ainsi dans votre course, les pilotes doivent ralentir et interdiction de doubler. Le drapeau rouge, incident grave, arrêt immédiat et enfin donc je ne vous demande de ne pas avoir les mains dans les poches, mais d'encourager nos champions. Avec leur voiture numéro 101, Slam 88, vice-championnat d'Italie 89, vainqueur à Brassache au mois de mai dans le classement vitesse, le garçon qui n'arrête pas de gagner le victoire. On applaudit. La 102 en pleine dent, nombreuses places de l'heure en 89. Je me dis numéro, je m'en excuse, c'est le 103. Bataille Jean-Claude. Ouais. Du tempérament, un sacré batailleur, vainqueur et général au spectacle à Brassac, dans le Tarn-et-Garonne. Le 107 et 88. C'est le beau-père, il se prénomme Michel, il est toujours amoureux. C'est amoureux, c'est Michel avec la voiture 113. Alors là, voilà un garçon à qui on peut rendre un grand hommage et de très nombreux applaudissements, car c'est lui qui patronne aujourd'hui cette manifestation. Il est le concessionnaire d'une firme qui a, c'est à la pointe, disons, de la vente de voitures ici en France, Lille à la Fiat. C'est sa première prestation 90 ici à Villeneuve, ici à Saint-Roch-Saint-Fiat. L'autocrash club de la journée, sous l'égide de l'Hippolyte, de notre idée du sport. Eh bien, on a plaisir tout au long de l'après-midi d'encourager nos sportifs qui, sous le regard de commissaires, ces commissaires sont reconnaissables, ils sont comme blancs, et c'est eux qui vont faire de eux les concurrents qui n'auront pas respecté les normes pour courir tout au long de l'après-midi, ici même à Villeneuve. S'il vous plaît, et j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, pour cette première manche, car il y a toujours un tour de chaud dans chaque manche, eh bien nous aurons le plaisir d'avoir une exclusivité ici à Vigneux-sur-Lot, représentée par la SARL Lime et Fils. Elle est heureuse, cette SARL Lime et Fils, de vous présenter et de vous accueillir avec sa nouvelle toute voiture née de la gamme Fiat, la Tempra, qui va ouvrir, je dis bien, qui va ouvrir le spectacle ici même, ici à Villeneuve, ici au fête de Saint-Roch-Saint-Fiat, où nous avons toujours le plaisir de venir. C'est notre quatrième année consécutive et je peux remercier le comité des fêtes et son dynamique président qui, au long des années, nous accueille avec. Ces ambulances, vous les connaissez peut-être, ce sont les ambulances de mariage. Il y a les pompiers de Vigneux-sur-Lot, il y a aussi le docteur Jean-Pierre Laglaise, il y a bien sûr votre serviteur, il y a toutes les mesures de sécurité, et admirez et applaudissez la Tempra Fiat.
c'est le concessionnaire Lune qui est sponsor aujourd'hui de cette magnifique course. Et on applaudit cette magnifique voiture. Et en face, vous pouvez l'essayer. Bravo à vous tous. Merci de vos nombreux encouragements. Attention, messieurs. Dans quelques instants, le départ. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Jacques, suivi de la 102, Bonafou, Yves, en première position,
C'est comme le jeune homme, c'est moi le temps est en discours. Allez, Lili. Et si on prend la durette, hein. Allez, Lili, et voilà Lili qui est parti. En ligne droite et qui court et qui saute. Et voici Lili. Bravo, Lili, votre champion olympique de l'Union. Alors donc, les concurrents pour cette troisième manche. Je répète la chance de la coupe, la François Bataille et Jean-Claude. Et oui, Bataille, il a un nom prédestiné, ce garçon-là. C'est un bataillon, croyez-moi. Poitiers avec la 110, Léa Retoni la 111. Le 5, 4, 3, 2, 1, partez pour cette troisième manche. Thank you.
Thank you.
La dernière marche a fait un spectacle. Peut-être lui, vous n'avez pas trouvé assez fort, assez puissant. Mais il a poussé beaucoup de monde dehors. Et bien, croyez-moi, son fils, eh bien, il est là. Il est là sur la première voiture avec la marque L. Le deuxième, eh bien, c'est un autre fils du directeur de course aujourd'hui. Eh bien, ils se promettent tous les deux, naturellement, ils risquent de se renverser. Mais pour le moment, on est en train de rouler la piste. Et croyez-moi, si le père Grade, c'est lui qui roule en ce moment, eh bien, s'il pousse un peu, il va faire du mal. Voilà, on va le pousser, là, hein. Allez, les jeunes, poussez au rouleau, là. Alors, attention en traversant. Chers amis, la piste est utilisée par des futurs pilotes, un jour ou l'autre, dans quelques années, n'est-ce pas, monsieur l'officier de police, hein, vous ne pouvez pas les verbaliser, ils sont sur la piste. Ils n'ont pas l'âge pour avoir le permis, mais c'est pas grave, hein. Ils sont là pour faire du spectacle et pour faire voir qu'ils arrivent à savoir si les voyez déjà. C'est bien, je sais qu'à l'école, maintenant, on leur apprend toutes les leçons sur le code de la route et Dieu merci, nous en avons besoin. Également, chers amis, je vous annonce une ouverture. Oui, le 13 juillet à Villeneuve-sur-Lot, l'ouverture de la briocherie Sainte-Catherine. Oui, la briocherie, c'est toute la pâtisserie, toute la boulangerie que vous trouverez, 12 rue Sainte-Catherine à Villeneuve. Ah non, mais les clés, ça, c'est pas grave. Hein. Monsieur Leissal, messieurs Leissal, messieurs, auriez-vous envie de faire un essai de la nouvelle Tempra? Oui ou non? Étant donné qu'avec le bénéfice que vous faites sur la boîte à le Calypso, à Alès, vous pouvez vous payer la Fiat. Alors voulez-vous l'essayer? Ça vous ferait plaisir? Oui ou non? C'est gratuit. Vous engagez à rien. Elle est belle, elle est confortable. Regardez là, voyez le monsieur là, il a la casquette Citroën, oui, mais il a envie de la Tempra. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Même qu'on ait la casquette Citroën, on aime bien la voiture Fiat parce qu'elle est plus belle que la Citroën. Elle est plus robuste, elle est plus solide. C'est moins quincaille, et alors quelle souplesse la Tempra, et quel prix à côté de la Citroën. Elle n'est pas donnée, hein. Je suis persuadé que presque dans la presque de celle-là, selon vous. Elle est belle. Elle est belle. Alors personne n'ose faire un tour avec la Tempra. C'est quand même malheureux. Monsieur, madame. Allez. Monsieur Feuillard, vous avez envie de faire un petit tour avec la nouvelle Fiat pour vous promener? Oui, mais il faut y monter pour essayer. Là, regardez, c'est une chose de l'essayer, c'est mieux. Avec madame, tu attends, elle va te faire faire un tour. Regarde, elle est partie. Vous voyez, chers amis, la Fiat, elle repart. C'est inconfortable d'avoir une image stable. Pour les essais, c'est pas tellement plaisant. Hein. Il faudrait que ce soit une route. Hein. On est vraiment dans un champ là. Mais comme ça, on imagine quand même que sur une route, c'est mieux. La mienne, ça sauterait davantage. Qu'est-ce que vous avez? C'est une cousine, c'est une Fiat, une Rwanda, un Marimo. Elle est confortable, c'est.
pour voir les voitures. Plein de mécanique. Et après, vous voulez que les hommes ils soient souriants et gracieux, là, hein? Pourquoi que Michel, il me dit, mon Dieu, elle est gentille, ma femme, mais alors elle me serre la vis, hein? Ça ne m'étonne pas. Voilà, et nous allons même dans la table le caméraman officiel. Qui le ça y est, on a tout fermé. Elle est belle. Elle est jolie. Et un tableau de bord, splendide. Très agréable. C'est une voiture bien estérée, il attend droit. La tribu, elle est bien. Et je crois que la tempra, elle est supérieure. C'est normal, tous les gens, on a les gars. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ha ha ha.